Bonjour à tous mes amis et bienvenue dans ce vlog. Aujourd'hui on va parler de différentes choses. Déjà premièrement on va parler de la vidéo anniversaire du 16 mai. Donc n'hésitez pas à toujours et encore m'envoyer des commentaires, questions. J'arrêterai de valider les questions le 14 mai à 20-21h. Je pense 21h ça me semblera correct. À ce moment-là, les questions, commentaires après 21h, à part si c'est vraiment des questions qui peuvent être intéressantes, qui n'ont pas été posées, ça est faisable. Premièrement, voilà, le 14, 21h, comme ça j'ai le temps de faire la vidéo. Je vais faire un live pour faire la vidéo anniversaire, je vais faire un live, pouvoir parler avec vous en direct aussi, mais j'ai pas le matériel adéquat pour le faire. J'ai fait un test live il y a 2-3 jours là. Alors, chez moi ça s'affiche, chez vous je sais pas si vous avez vu le truc. Pour ça que j'ai marqué test live parce que je voulais pas les gens pensent que c'était un live prévu ou quoi. Bon, il n'y avait rien, c'était pas un live, c'était juste un test. Et effectivement, le test n'a rien donné. Donc, dès que je pourrais faire des lives et pouvoir parler avec vous, ça me fera énormément plaisir. Mais pour l'instant, au niveau du matériel, c'est pas faisable. Donc voilà. Deuxièmement, il y aura aussi pas mal de nouveaux formats qui vont arriver sur la chaîne très prochainement. Des formats qui vont être questionnés aussi, voir ce que vous en pensez. Est-ce que ça pourrait être aussi bien de me le dire. Et voilà, parce qu'il y a des formats qui... On verra. Je peux pas en dire plus. J'ai si envie de vous laisser la picture qui... Alors, troisièmement, dans ce vlog, on va parler d'une chose, et c'est le pourquoi je fais aussi la vidéo, le vlog. Depuis la création de la chaîne, j'ai réussi à plus ou moins améliorer la qualité du son. Puisque vous prenez la vidéo dans la formation, qui n'est pas, franchement, le son est dégueulasse. Je veux dire, j'ai déjà pensé à la refaire, mais voilà, vous voyez, on essaie de... Le contexte de la vidéo, je veux dire, on fait une, on n'a pas regardé la même chose, ce sera pas forcément mieux. Mais après, on va pas s'attarder non plus sur cette vidéo-là. Mais depuis, j'ai réussi à améliorer un peu la qualité du son, puisqu'effectivement, pour moi, l'idéal, c'est d'augmenter, d'améliorer à chaque fois les vidéos, le contenu, la façon de tourner, la façon de monter, rajouter des choses, enlever des choses. Et mais pour aussi un gain de temps, il va me falloir du tout nouveau matos. Par exemple, l'ordinateur, c'est une catastrophe, voilà. Pourquoi ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, hier ou avant-hier, j'ai créé ma page Tipeee. Alors, je suis pas... J'aime pas le fait de manquer l'argent aux gens. Alors, si vous voulez donner, vous donnez. Si vous voulez pas, vous donnez pas. Il y aura aucun... Il y aura un mépris de ma part envers ceux qui ne donnent pas. Et pas, et à l'inverse, pas de la partie qui se fait sur un Tipeee, je ne ferai pas de... Mais pour dire, voilà, j'ai fait ma page Tipeee, parce que j'ai aussi découvert les chaînes à l'époque, des youtubeurs qui ont commencé vraiment très petits, et qui à force ont vraiment bien évolué. Et eux ici, ils avaient la page Tipeee, enfin Tipeee, et qui a fait maintenant la chaîne est devenue très imposante sur YouTube et devenue le youtubeur très, très chevronné. Alors, avoir beaucoup d'argent, vous ne pouvez pas forcément dire mettre de la qualité dans vos vidéos. Hein. C'est pas la caméra qui fait la vidéo, c'est ce qui se passe devant la caméra qui fait la vidéo. Certes, ça on est d'accord. Moi, pour moi, sortir une vidéo par jour, ou tous les 2-3 jours, avec l'ordi que j'ai, c'est des heures et des heures d'attente pour la vidéo se mettre sur le logiciel de montage. Et quand je fais l'encodage, c'est aussi plus la vidéo elle dure, plus ça dure et c'est une horreur. Donc pouvoir changer de PC ce qu'année, ça serait vraiment très bien. Avec votre aide, bon, je sais pas, voilà. Je fais le message et puis après on verra si jamais vous êtes, pour me soutenir autrement que par les commentaires. Je suis pas trop fan de l'idée, mais à vous de voir, à vous de me dire si voilà, ouais, puis si jamais il n'y a rien, il n'y a rien. Et puis, voilà.
voilà, je nourris mon IA autrement. Puisque si, en dehors de ça, en dehors de l'idée d'aller plus rapide dans mon âge, j'aimerais aussi partir en forêt ou en montagne, filmer en vue aérienne avec un drone, pourquoi pas me mettre aussi dans des situations un peu plus extrêmes, ou avoir, par exemple, du matériel beaucoup plus sophistiqué qui peuvent me tenir en 24 à 48 heures pour pouvoir filmer, par exemple, comme si je partais comme si j'étais abandonné en forêt pendant, enfin abandonné, perdu en forêt pendant 2 jours et que je puisse tourner autonomement, enfin tout seul dans la forêt et avoir du matos qui tient la route pour pouvoir donner un meilleur contenu aussi dans mes vidéos, pour que ça soit quand même beaucoup plus divertissant, qui peuvent vous apprendre des choses et qui peut aussi vous faire voyager, vous dire waouh, c'est génial. Et moi, c'est le tout de la chaîne et la chaîne, je vais pas la lâcher. Elle a bientôt 1 an et je vais pas la lâcher. Je vais vraiment continuer à le faire parce que j'adore me faire, j'adore faire. Les vidéos, j'adore monter, j'adore filmer les choses. C'est. Voilà ce que je pense dans la tête, j'essaie de me remettre dans la vidéo. Et franchement, pour moi, c'est un c'est génial. J'adore le faire. Et vous êtes en partie aussi le fruit de ça, parce que j'ai eu des commentaires qui m'ont énormément fait plaisir. Et j'arrêterai jamais de le dire, c'est aussi grâce à vous que j'ai envie de continuer, j'ai aussi envie d'évoluer. Et j'ai envie un jour, dans 1 an, par exemple, vous reprenez la chaîne, vous putain, c'est génial, il a amélioré la chose, c'est vraiment la bombe. On voyait le début, il voulait faire quelque chose de bien, mais on sentait que. Et j'ai vraiment envie de faire la chose. Et tout est possible, réalisable. Voilà. Donc, j'ai vraiment envie de le faire. Si je peux le faire avec mon soutien moral, c'est génial, c'est la plus grande des choses. Après, si effectivement je peux avoir une aide financière derrière, c'est toujours mieux. Mais je ne veux pas manquer. En aucun cas, je veux faire la manche. En aucun cas. Voilà. Mais voilà, je tiens à signaler juste, voilà, message plus simple. J'ai un compte Tipeee. Si vous voulez aller dessus, ça sera en description. Et si jamais, même si vous donnez 1 euro, voilà, c'est toujours bon à prendre. Mais l'idée. De base, c'est juste pour vous dire, j'ai un Tipeee, et puis après, voilà. Mais si jamais un jour je reçois une certaine somme, je ferai en sorte, et je vous promets, il y aura effectivement cette somme-là, servira que pour la chaîne, pour acheter par exemple du matériel qui soit plus adapté à ce que je fais, ou des choses qui peuvent être devant la caméra, c'est-à-dire peut-être. Du matos de survie que je peux vous montrer aussi. Donc, il y aura tout un tas de choses. Voilà. Donc, voilà. Bon, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, vous avez tous compris ce que je veux faire, là où je veux en venir. Donc voilà. Ce vlog dure déjà trop longtemps déjà. À chaque fois, j'arrive pas à faire tout court. Mais bon, c'est pas grave, au moins j'ai des choses à dire, c'est mieux que rien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et je me rappelle, pour le 16 mai, la règle des commentaires sera le 14 mai, entre 20h et 21h. Donc, comme ça vous laisse 1 heure de battement si jamais vous n'êtes pas forcément disponible la journée pour laisser les commentaires. Voilà, moi je pense avoir tout dit. Moi je vous laisse, je vous fais plein de papouilles. Je vous dis, vous êtes super, continuez comme ça. Et puis, prenez soin de vous, soyez survivalistes. Dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et on se retrouve bien dans la prochaine vidéo. Ciao les amis. Portez-vous bien. Bonne préparation.